Les philosophes et les autres ne regardent jamais leur propre vie. Ils se perdent dans quelques mondes métaphysiques ou psychologiques sur lesquels ils se mettent à écrire. Ils publient leurs livres et deviennent célèbres. La vérité exige une clarté d'esprit extraordinaire, un mental sans problème d'ordre physique ou psychologique et qui ne connaissent pas le conflit. Même le souvenir du conflit doit se dissiper, car le fardeau du souvenir nous empêche de découvrir la vérité. Cela devient impossible. La vérité ne peut se manifester qu'à un esprit étonnamment libéré de tout ce qui est fait par l'homme.